Fort Goyard est de retour ce samedi 4 août 2018, avec une nouvelle émission. Cette fois, ce sont Pascal, Koh-Lanta et les stars, Miss France 2018 Maëva Cook, Miss France 2015 Camille Serre, le chroniqueur de Touche pas à mon poste, C8, Maxime Guémy, les animateurs radio Miko et Koé, qui ont tenté de remporter de l'argent pour une association, Les Bonnes Fées. Une aventure dont notre reine de beauté actuelle devrait se souvenir pendant longtemps. La Miss Rousse qui vient d'annoncer son célibat s'est frottée à l'épreuve de la dégustation à l'instar de Pascal, ou à l'épreuve du tapis roulant. Ce dernier jeu, qui consiste à décrocher des seaux placés en hauteur, et verser son contenu, alors que l'on se trouve sur un tapis roulant, aurait d'ailleurs pu très mal tourner pour Maëva Cook. L'habitante du nord de la France a en effet révélé à nos confrères de TV Mass être blessée en cours d'épreuve. Camille Serre me donnait des conseils. Comme m'accrocher à des petites chaînes lors de l'épreuve du tapis roulant. Ça n'a pas payé cette fois, parce que je n'ai pas réussi, et je me suis blessée. Je me suis fait une entorse à la cheville. J'ai été reçue par le médecin du fort, qui a un cabinet aménagé. Heureusement, cela ne m'a pas handicapée pour la suite. Guillemets, Maëva Cook a donc pu poursuivre la compétition, et n'avait qu'une idée en tête, amasser le plus d'argent possible pour les bonnes fées. J'étais motivée, parce que l'argent va financer des ateliers rodance pour les femmes atteintes d'un cancer du sein. J'en ai rencontré certaines, qui m'ont dit qu'elles attendaient ces ateliers avec impatience. Durant les épreuves, je repensais à ce qu'elle m'avait dit. La jeune femme de 24 ans ne connaît malheureusement que trop bien cette maladie, car sa maman a lutté contre un cancer du sein. À l'occasion d'un Facebook Live pour purpeople.com réalisé le 9 janvier dernier, Maëva Cook nous avait confié « Ma maman a eu un cancer du sein, il y a quelques années. Sa maladie ayant été rapidement détectée, elle n'a pas eu à subir de chimio ni même une ablation et va mieux aujourd'hui. »